Et salut à tous, on se retrouve sur notre ami Le Cube pour un nouvel épisode. J'espère que vous allez bien. Alors, depuis la dernière fois, en fait, il y a eu 2-3 petits changements sur la gare, tout simplement. Et d'ailleurs, si vous avez regardé l'épisode de 6-4, le dernier en date, il me parlait de faire un petit système de connexion à distance. Je sais pas si ça marchera ou pas, mais ça pourrait être très chouette. Donc, je suis chez moi, j'appuie sur un bouton et je dis où je veux aller. Et ensuite, d'avoir un truc complètement automatisé ici qui me redirigerait vers la bonne direction. À voir si c'est possible, sinon il faudra faire des trucs séparés. Donc je pense que c'est un peu compliqué. L'autre option, bien sûr, c'est de faire un truc où on arrive systématiquement ici et ensuite on est catapulté où on veut. Ce système marche impeccablement bien. J'ai rajouté une destination qui s'appelle le lac, pour le petit lac derrière la mairie, qu'on va aller voir juste après. Et en attendant, je vais vous montrer un petit truc. Je crois pas que je l'ai déjà montré ça. C'est simplement que maintenant, si on va à l'envers parce qu'on se plante ou qu'on sait pas, ben hop, on repart à l'envers et on est recatapulté au point de départ. Donc ça, c'est très très bien. Ça veut dire qu'on ne peut plus se tromper du tout. Voilà, donc on va aller voir tout de suite au niveau du lac. D'ailleurs, j'ai un petit peu optimisé les trajets là, mais c'est rien de grave. Et qu'est-ce qu'on va voir par là? Oula, ça bouge un petit peu. Ok, donc j'ai fait 2-3 petits avancements par là. Malheureusement, le timelapse ne rendait absolument pas bien du tout. Question de réglage. Vous savez que c'est encore un peu c'est un peu en bêta encore, on a déjà pas mal progressé, on sait comment ça marche et tout, mais de temps en temps, tout n'est pas parfait, donc voilà. Mais enfin, ça avance gentiment, et en fait, ici vous voyez que le lac est sur 2 étages différents, tout simplement parce que j'ai gardé exprès un peu d'eau douce, comme ça, pour m'occuper de pouvoir faire cette petite rivière juste là, qui va encore évoluer un petit peu, parce que là actuellement je suis pas complètement fan, hein. Vous voyez que ça va tout droit, il n'y a pas de contour ni rien du tout, mais ça, bon, là en bas ça devient un petit peu mieux déjà, mais c'est vrai que là en haut je trouve que c'est vraiment c'est trop droit, c'est pas super joli. Et puis là on a un pont qui vaut ce qu'il vaut, on va dire. Malheureusement je vais pas plus travailler dessus que ça pour l'instant, en tout cas. Mais très clairement, tout ça méritera d'être refait un bon bout. Pourquoi est-ce qu'on va pas travailler plus que ça? Parce que, tout simplement, je suis toujours en plein préparatif de mariage. Donc, avant, niveau études, j'avais pas le temps. Et là, c'est encore pire, tout simplement. C'est vraiment une quantité astronomique de trucs à faire. Mais c'est le genre de choses que vous ne pouvez pas imaginer tant que vous n'y êtes pas, en fait, tout simplement. Parce que il y a des gens qui posent des questions, il y a des choses à organiser, le trajet, la nourriture, etc. Ça prend vite énormément de temps. Et comme c'est cette semaine que ça va arriver, eh bien voilà, je peux pas en faire plus, tout simplement. Yes. Ok, du coup, cet épisode est enregistré d'un bloc. En tout cas, je vais essayer au maximum, c'est-à-dire sans interruption. Ce qui va, j'espère, vous convenir comme format. Mais voilà, c'est le format prépa de mariage. Hein. Donc ça veut dire que j'ai en gros 1 heure devant moi pour le faire et le préparer, y compris le montage, donc ça va extrêmement vite. Faut voir que d'habitude, sur un épisode de notre ami le cube, je mets entre 3 et 5 heures de tournage à peu près, et puis suivant le temps que j'ai enregistré, bah, c'est à peu près le temps d'enregistrement x2. Donc sur 3-5 heures, peut-être que j'enregistre pendant 1 heure, et après je rediffuse sur mon truc pendant 1 heure à peu près, et je garde les meilleurs bouts, ce qui est le plus intéressant. Le reste, je le vire, donc forcément, là bah, ça va être un peu différent, puisque je vais vraiment... Voilà, j'ai encore à peu près 25 minutes devant moi pour enregistrer et ensuite je pars direct sur la suite. Pourquoi ce bloc est-il cassé? Apparemment c'est pour troller. Non, je pense qu'il a été enlevé par erreur. Voilà, on va faire comme ça. Du coup, puisqu'on... Et puis on va juste se faire un chemin pour ressortir. Ah oui, mais sauf que le chemin de ressortie n'existe plus. Quoique... Ah bah oui, là on peut rejoindre la... Ok, on rejoint la gare, on est content. Ok, alors qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui maintenant? Alors, je me suis dit un truc, c'est que, étant donné que je suis en pleine période de mariage et que j'ai beaucoup, beaucoup de choses à faire, on va repartir sur un épisode technique un tout petit peu. Mais ce que j'aimerais faire, c'est qu'on vous passe en revue, en fait, ce que j'ai utilisé là derrière, c'est-à-dire ces trucs-là. Ça, c'est une diode, par exemple. Ici, on a une porte nord et d'autres portes logiques en tout genre. Alors donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste regarder ce que c'est une porte logique, comment ça marche et à quoi ça peut nous servir.
Alors pour ça, on va juste retourner simplement chez moi et j'ai construit les portes logiques en taille réelle, ce qui va nous permettre, enfin en grande taille, donc sans les utiliser, utiliser les petits logos, mais en grand, en vrai, avec des torches. Et ça va nous permettre de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Juste voir où est le soleil, c'est parfait, on a juste le temps. Alors, qu'est-ce que c'est une porte logique déjà pour commencer? C'est un système qui va nous permettre d'analyser un ou plusieurs signaux pour en retirer des informations. Par exemple, est-ce que un signal est actif, oui ou non? Alors là, par exemple, la plus simple des portes logiques qu'on a dans Mindtest, c'est la porte note qui va simplement inverser le signal. Alors ça se passe de la manière suivante, c'est que si une torche à l'opposé du bloc sur lequel elle est posée, un mescone éteint, elle s'allume. Et à l'inverse, si on active ce signal, elle s'éteint. Et du coup, ensuite, elle va transmettre ou non son truc. Alors, ça veut dire que, bien sûr, si on en met deux l'une sur l'autre, on a ce qu'on appelle une diode. C'est-à-dire que le signal va être inversé une première fois, puis une deuxième fois. Vous voyez qu'il y a des torches juste au-dessus. Ce qui va nous permettre, avec une diode, de récupérer exactement le même signal qu'en dessous, avec un petit temps de délai, bien sûr, le temps de traiter l'information, mais c'est rien de grave. Et ensuite, de travailler avec ça. Par exemple, c'est, est-ce que cette ligne est active, oui ou non? Oui, elle est active, le truc ici est allumé. Alors maintenant, là, vous voyez qu'on en a deux côte à côte. Les deux ensemble forment déjà une porte logique, puisque nous avons deux signaux qu'on analyse, et simplement, si un seul des deux est actif, ça suffit à allumer le bloc qui est là, donc on en extrait un signal positif. Donc ça s'appelle une porte OR, simplement, qui est composée de deux diodes. Voilà, alors maintenant peut-être qu'on peut avoir un truc un peu différent. Imaginez que vous avez une machine qui travaille, et tant qu'elle travaille, vous voulez avoir une lampe allumée. Cette machine fonctionne avec deux circuits différents, et vous avez besoin de détecter que les deux signaux sont actifs ou inactifs. Et que, par exemple, vous savez que si votre machine a les deux signaux allumés, c'est qu'elle a fini de travailler. Mais que si un signal est éteint, à ce moment-là, la machine est en cours de fonctionnement. Alors, ce qu'on va faire avec ça, c'est qu'on va détecter le fonctionnement au cours de la machine avec une porte XOR. Alors, XOR, c'est quoi? C'est l'un ou l'autre des deux signaux, mais pas les deux en même temps. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, mais en réalité, ça peut être très utile. Puisque bah, ça veut dire que, vous voyez, on détecte que si on a les deux signaux sont pareils, normalement, ça s'éteint, voilà. Et si les deux signaux sont actifs, normalement, elle reste éteinte également. Par contre, si un seul des deux trucs fonctionne, à ce moment-là, elle s'allume. Ça permettrait aussi peut-être de détecter une erreur, par exemple. Si vous avez un gros système, et puis bah, vous envoyez un petit retour d'information, et il faut que le retour d'information soit pareil des deux côtés. Par exemple, vous faites deux fois le même circuit pour un calcul, et vous voulez vous assurer que tout est fini avant de passer à la suite, et bien vous pouvez bloquer votre système avec un circuit comme ça. Voilà. Alors, ensuite, il y en a une autre qui est très simple, c'est la porte AND. Alors, AND, c'est qu'il faut que le 1 et le 2 soient actifs en même temps. Donc, vous voyez que ça fait un peu la même chose que la XOR, sauf que si un seul des deux systèmes est allumé, et pas l'autre, à ce moment-là, ça reste éteint. Qu'est-ce que tu fais là? Tac. Donc, il faut vraiment que les deux signaux soient actifs, sinon AND va vous renvoyer un 0. Il n'y a rien qui est envoyé. Voilà, alors une autre porte maintenant qui est très utile, c'est la NOR. C'est ni 1 ni 2 ne doit être actif. Donc, si les deux sont actifs, bien sûr, ça s'éteint. Si j'en éteins 1, ça reste éteint. Et si tout est éteint, elle s'allume. Alors par exemple, si on imagine un système qui détecte un four en train de fonctionner, et puis on veut que ça s'allume que quand tous les fours sont disponibles, et bien à ce moment-là, c'est la solution, puisque quand tous les fours sont éteints et que toutes les lampes sont, tous les signaux sont éteints, à ce moment-là, la truc s'allume. Voilà. Et ensuite, il nous reste NAND. C'est un AND qui est inversé, en fait. C'est-à-dire qu'elle est tout le temps allumée, sauf si on a les deux signaux actifs en même temps. Voilà. Ça peut être, pour un même système de four de ce que je vous parlais juste avant, ça peut être, tant qu'il y a un four disponible, elle reste allumée. Si tous les fours, par contre, sont éteints, sont en fonction, pardon, il n'y a plus aucun disponible, le système s'éteint là-haut. Voilà, donc avec tout ça, c'est très utile pour faire à peu près tout ce qu'on veut dans Mindtest, mais c'est aussi très utile pour faire tout ce que vous voulez dans un ordinateur. En réalité, les circuits électriques qu'on a dans un ordi, dans un processeur, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. C'est des assemblages de petites portes logiques. Par exemple, si on veut faire 1 et 2, 1 et 1 qui font 2,
on peut avoir un AND. On imagine que là en haut, c'est un signal qui aura une valeur de 2. Et si on a 1 et 1 qui s'allument, alors boum, le 2 s'allume. Et on peut additionner comme ça des choses. Et évidemment, en calcul binaire, on peut à peu près, puisque c'est du binaire, hein, c'est soit 0, soit 1, soit allumé, soit éteint. Et on peut revenir absolument à tous les calculs qu'on veut avec ça. Ce qui nous permet donc de s'affranchir complètement autre code mind test, ça nous permet de nous affranchir complètement du code. Si on voulait vraiment, on pourrait s'amuser à construire un vrai ordinateur capable de faire n'importe quelle opération juste avec ce qu'on a là devant nous. Alors après, bien sûr, c'est beaucoup plus rapide avec les petites portes logiques qu'on a juste là, qui sont faites avec ces symboles, et qu'on va utiliser allègrement beaucoup plus que les... ces grosses portes logiques faites à la main. Ça va beaucoup plus vite, c'est beaucoup plus léger pour le jeu, mais ça marche exactement de la même manière. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher votre petit pouce bleu. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Probablement pas encore cette semaine, malheureusement, puisque heureusement, je me marie, ça c'est trop cool. Enfin, je dis jamais, nous nous marions avec madame. Et donc, ce sera sûrement la semaine prochaine. Et puis ben, on se dit à très bientôt. Bonnes vacances pour ceux qui en ont. Ciao tout le monde !